Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LynnCDB. Alors on se met lundi 11 janvier. J'ai reçu ce petit colis. Alors c'est une commande que j'ai passée le 25 décembre chez Gutfeld. Et il y a... Je les ai reçus aujourd'hui. Donc, c'est un petit colis, normalement 1, 2, 3 toiles. Et donc, nous allons découvrir ça ensemble. C'est une commande que j'ai passée moi-même, hein, et non un partenariat. Si j'arrive à ouvrir. Donc j'ai passé cette commande le 25 décembre. Elle a été envoyée le 26 décembre. Donc très rapide au niveau expédition. Et donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Alors, première toile. Elle a un peu morflé. Bon. Alors, c'est une 30 par 40 diamant rond. Là, je vais les mettre à plat après. Parce que vu comment elle a pris cher. Et donc c'est un petit attrape-rêve, donc tout le kit, barquette, cire et stylet. Il y a 24 couleurs, il y a les symboles et les DMC sur la toile. Et sur les sachets, donc nickel, franchement, je vais vous montrer les diamants. Les symboles sont imprimés en carré. Ah non, en rond, excusez-moi. Très belle impression sur la toile. Et donc, nous avons... du rose mauve, un gris bleu, un gris vert, un mauve, un gris, un mauve parme, un gris, un bleu, un rose, un beige, un vert, un bleu vert, un gris, un vert plus kaki, un rouge, un brun plus foncé, un bleu ciel, un gris bleu, un bleu foncé, un autre vert, bleu, mauve et blanc. Alors, et ce sont c'est du AB ceci. Vous voyez, il y a une petite pellicule au-dessus qui fait qu'il brille un peu plus que les autres. Alors, au niveau de la colle,
Ça colle super bien. Et les symboles sont super bien clairs. Franchement, nickel. Bon, à part qu'elle a une sale tronche. Parce qu'elle a pris cher dans le transport. Sinon, tout va bien. Alors, je vais prendre celle-ci. Vu l'épaisseur, je pense savoir ce que c'est. Laquelle c'est, quoi. Oui. Alors, celle-ci, je l'avais vue sur la chaîne de Moumouche Diamant. Mais bon, comme je ne faisais pas de rond, j'avais pas spécialement envie de la faire. Et puis, je l'ai vue sur Gutfeld en me disant que j'allais me remettre à faire des ronds de temps en temps. Bon, pas tout le temps, hein. J'ai encore des carrés. Et j'aime toujours autant les carrés, mais... Et donc, c'est une 25 par 25. Le toolkit, c'est... stylet, pain de colle, barquette et la pince en plastique. Je ne sais toujours pas si elle sert à quelque chose. C'est une petite 25 par 25. Bon, elle ne fait pas 25 par 25. Hein. Réellement, elle fait 20 sur 20. Hein. Et donc, ce sont des diamants spéciaux. Et c'est un petit pingouin, donc vous pouvez voir les différentes formes. Il me faisait trop envie celui-là. J'aime bien sa bonne bouille. Et donc nous avons les DMC sur la toile, magnifique. Magnifique. Et nous avons 10 couleurs. Alors, au niveau strass, nous avons des bleus ciel. La même couleur, mais un peu plus gros. Encore un peu plus gros. Des diamants argentés, des petits strass. Un peu plus gros, encore plus gros. Des simples noirs. Des strass noirs et ça c'est des bruns et ça c'est des argentés encore une sorte différente. On a 13 couleurs. Excusez-moi. Du rouge, du orange et un autre rouge. Donc voilà. Alors le seul inconvénient de chez Gutfeld, comme les autres sites autres qu'AliExpress, c'est les frais de port. Hein. Malheureusement, il y a des frais de port supplémentaires, mais bon, enfin... Les prix des toiles sont quand même vachement avantageux, donc l'un dans l'autre. Pas dire qu'on s'y retrouve, mais... Hop. Et ma dernière toile. Là, normalement, ce sont des diamants carrés. Parce que je voulais essayer leur carré. Le problème est toujours le récit. Eh bien non. Je me serais encore trompée. Que j'arrive pas à lire sur leur site.
C'est une toile que j'avais déjà vue plusieurs fois également sur d'autres chaînes, mais elle me donnait envie. Donc c'est une 30 par 40 DMC sur la toile. C'est le petit Olaf et je me suis trompée. Enfin, j'ai mal lu encore. Je crois que j'arriverai jamais à avoir des carrés en fait. Sur une toile d'ailleurs. Et donc, on est dans les roses. Et c'est le petit Olaf de la Reine des Neiges. Et donc, ce sont des diamants ronds. Pourtant, j'étais sûre d'avoir vu Square sur le truc. Ah bon, pas grave. Alors, les symboles sont très clairs. Vous pouvez le voir. C'est imprimé en rond, c'est pour ça que j'ai eu un doute à l'ouverture. Ça colle super bien. La toile a fait cher également sur les côtés, mais rien de grave. À plat, une fois à plat, ça ira mieux. Et donc voilà, il y a 20 couleurs sur celle-ci. Je suis vraiment déçue, quoi. Je pensais vraiment avoir des carrés. Tant pis. Heureusement que je suis pas en tiron. Ça serait vraiment bien embêtant. Mais celle-ci, elle va être mignonne. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un unboxing et une vidéo blabla. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. À bientôt !